l'espère, est un supporter parisien, presque comme les autres. Ce mardi 13 avril, l'acteur a partagé son immense joie après la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré sa défaite contre le Bayern Munich, 0-1, au Parc des Princes, victoire des Parisiens 3-2 lors du match aller en Allemagne. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, la star semble transcendée par la joie procurée par Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Filmé par sa compagne, Laetitia Hallyday, dans leur maison de Los Angeles, Jalil l'espère saute et crie devant sa télévision. On est qualifié, on a battu le Bayern, Paris, yes, je suis trop content, lance-t-il, un très large sourire aux lèvres, devant une Laetitia Hallyday surprise par autant de bonheur mais que l'on peut toutefois entendre rire aux éclats et lâcher un tendre « Oh mon amour ». Jalil l'espère et Laetitia Hallyday, des habitués du Parc des Princes mais pour des raisons bien différentes. Avant la fermeture des tribunes, afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, Jalil l'espère était un grand habitué du Parc des Princes. L'acteur et réalisateur ne ratait que très rarement les matchs du Paris Saint-Germain. Selon les informations du Parisien, l'ex de Sonia Roland fait même partie d'un groupe très mystérieux de supporters du PSG, les 300, aux côtés de Nicolas Duvauchel et d'anciens joueurs du club de la capitale. De son côté, Laetitia Hallyday n'est pas une grande fan de football mais la maman de Jade et Joy a déjà mis les pieds plusieurs fois au Parc des Princes. En effet, son mari, Johnny Hallyday, a donné plusieurs concerts dans l'enceinte du stade parisien. Des concerts qu'elle ne ratait pour rien au monde. Inscrivez-vous à la newsletter de CloserMag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.